ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny. Comme vous le voyez, j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo de faire une future vidéo justement qui est celle-ci, dont j'allais vous parler de stuff un petit peu particulier et très spécifique. Et donc comme je vous l'ai annoncé déjà, vous le voyez hein, de toute façon sous les yeux vous avez les images de stuff qu'on peut gagner lors d'assaut, ce qui est nouveau puisque ce sont des stuff spécifiques aux assauts. Alors jusqu'à maintenant je vous apprends rien, vous voyez en plus de ça des stuff, des armes que vous pouvez d'ores et déjà gagner et que vous avez sûrement gagné d'ailleurs, vous en avez quelques-uns si ce n'est pas tous. Mais moi je voulais vous parler de certains loots que l'on peut avoir dans des anciens assauts. Des assauts qui sont pour l'instant qu'au niveau facile. Je dis pour l'instant parce que j'ai le sentiment vraiment que ces assauts vont finir par être améliorés. Dans le sens où ils vont être upgradés. Donc on aura un niveau plus difficile, un niveau 36 par exemple. Et que l'on pourra à ce moment-là looter du stuff. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que j'ai essayé de looter ces stuff dans ces assauts qui sont pour l'instant niveau facile. Et je n'ai pas réussi. Alors comme par exemple Omnigul, hein, je prends l'exemple, vous l'avez vu, il y a l'arme, il y a une arme, il y a un brassard par exemple, alors, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, pour sûr, je crois qu'il y a ces deux stuffs là, et il se trouve que j'ai pas réussi à les gagner. J'ai pas réussi à les gagner parce que l'assaut étant facile, que les seuls engrammes que j'ai eu sont des engrammes bleus, je n'ai pas eu d'engrammes légendaires, mais je sais qu'il est possible, il est d'ores et déjà possible de les gagner via une astuce. C'est un américain qui a fait une vidéo là-dessus, il me semble. Il a tout simplement tué Omnigul très rapidement avec deux alliés, et puis il a réussi à avoir donc des loots légendaires, et qui se trouvaient être justement l'arme en question et le brassard en question. En plus, vous l'avez vu, le brassard s'appelle brassard d'Omnigul, il me semble. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la preuve que c'est Omnigul. Ça se gagne en assaut seulement, dans le roi des corrompus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le gagner si vous n'avez pas le roi des corrompus. Et voilà, c'est la question, c'est ça. C'est est-ce que les assauts vont être plus tard améliorés, augmentés de niveau, tout simplement pour pouvoir avoir ces loots, puisqu'il y a pas mal de loots donc, que je voulais vous présenter. Et puis... Donc je les laisse défiler, hein, simplement je les laisse défiler pour que vous regardiez. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie de voir ce que c'est, je ne vais pas en parler, je ne vais pas donner de détails. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver de toute façon dans l'armurerie, je voulais juste vous montrer qu'en fait ça existe. Et il y a aussi par ailleurs des armes, alors là ça m'a un peu plus intrigué encore. Des armes qui ressemblent simplement aux armes exotiques, des armes donc de l'épreuve. Il y a donc le souffle du dragon, je crois qu'il y a le rapace noir et la mort rouge. Donc ce sont des répliques de ces armes là en fait en armes légendaires et que l'on peut gagner apparemment seulement en épreuve. Donc c'est des armes que je n'ai pas encore vues, j'ai pas encore eu la chance de les looter, mais j'essaierai quand même de les looter. Elles ont l'air intéressantes, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis à partager aussi d'ailleurs, dire si vous avez eu ces armes et ce qu'elles donnent une fois que vous l'avez dans les mains. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire qu'il y a certaines choses qui existent et que je trouve intéressantes. Donc j'espère que les assauts encore une fois seront améliorés de niveau et cette fois-ci ça rendra le jeu encore plus intéressant puisqu'il y aura encore plus de loot. Donc je vous retrouve certainement dans peu de temps pour d'autres vidéos sur Destiny ou même des infos pourquoi pas avec de nouvelles mises à jour à venir en décembre, je crois bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce, à partager à vos amis si possible. Et puis je vous retrouve certainement sur les lives, sur les réseaux sociaux ou même encore sur d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. De l'épreuve, il y a donc le souffle du dragon, je crois qu'il y a le rapace noir et la mort rouge. Donc ce sont des répliques de ces armes là en fait en armes légendaires et que l'on peut gagner apparemment seulement en épreuve. Donc c'est des armes que je n'ai pas encore vues, j'ai pas encore eu la chance de les looter, mais j'essaierai quand même de les looter. Elles ont l'air intéressantes, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis à partager aussi d'ailleurs, dire si vous avez eu ces armes et ce qu'elles donnent une fois que vous l'avez dans les mains.
Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire qu'il y a certaines choses qui existent et que je trouve intéressantes, donc j'espère que les assauts encore une fois seront améliorés de niveau, et cette fois-ci ça rendra le jeu encore en assaut seulement, dans le roi des corrompus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le gagner si vous n'avez pas le roi des corrompus, et voilà, c'est la question, c'est ça, c'est est-ce que les assauts vont être plus tard améliorés, augmentés de niveau, tout simplement pour pouvoir voir ces loots, puisqu'il y a pas mal de loot donc que je voulais vous présenter, et puis... Donc je les laisse défiler, hein, simplement je les laisse défiler pour que vous regardiez, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de voir ce que c'est, je vais pas en parler, je vais pas donner de détails. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver de toute façon dans l'armurerie, je voulais juste vous montrer qu'en fait ça existe. Et il y a aussi par ailleurs des armes, alors là ça m'a un peu plus intrigué encore, des armes qui ressemblent simplement aux armes exotiques, des armes dont Assar par exemple, alors, je sais plus ce qu'il y a d'autres, pour sûr je crois qu'il y a ces deux stuff là. Et bah il se trouve que j'ai pas réussi à les gagner. J'ai pas réussi à les gagner parce que l'assaut étant facile, que les seuls engrammes que j'ai eu sont des engrammes bleus. Je n'ai pas eu d'engramme légendaire. Mais je sais qu'il est possible, il est d'ores et déjà possible de les gagner via une astuce. C'est un américain qui a fait une vidéo là-dessus, il me semble. Il a tout simplement tué Omnigul très rapidement avec deux alliés. Et puis il a réussi à avoir donc des loots légendaires et qui se trouvaient être justement l'arme en question et le brassard en question. En plus, vous l'avez vu, le brassard s'appelle brassard d'Omnigul, il me semble. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la preuve que c'est Omnigul. Ça se gagne en... Ici Gold Digger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny. Comme vous le voyez, j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo de faire une future vidéo justement qui est celle-ci, dont j'allais vous parler de stuff un petit peu particulier et très spécifique. Et donc comme je vous l'ai annoncé déjà, vous le voyez hein, de toute façon sous les yeux, vous avez les images de stuff qu'on peut gagner lors d'assaut, ce qui est nouveau puisque ce sont des stuff spécifiques aux assauts. Alors jusqu'à maintenant je vous apprends rien, vous voyez en plus de ça des stuff, des armes que vous pouvez d'ores et déjà gagner et que vous avez sûrement gagné d'ailleurs, vous en avez quelques-uns si ce n'est pas tous. Mais moi je voulais vous parler de certains loots que l'on peut avoir dans des anciens assauts. Des assauts qui sont pour l'instant qu'au niveau facile. Je dis pour l'instant parce que j'ai le sentiment vraiment que ces assauts vont finir par être améliorés. Dans le sens où ils vont être upgradés. Donc on aura un niveau plus difficile, un niveau 36 par exemple. Et que l'on pourra à ce moment là looter du stuff. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que j'ai essayé de looter ces stuff dans ces assauts qui sont pour l'instant niveau facile. Et je n'ai pas réussi. Alors comme par exemple Omnigul, hein, je prends l'exemple, vous l'avez vu, il y a l'arme, il y a une arme, il y a un bras.